Salut, salut et bienvenue dans un nouveau vlog. Donc là, il est 8h16, très tôt. Je vais faire mes petits soins. Je vais tourner un réel, le dernier de Jeffree Star. Et je pense éventuellement recevoir Shein aujourd'hui. Ma deuxième commande. Après, j'attendrai la troisième, mais ça, je vous montrerai en vlog parce que je vais pas la recevoir tout de suite. Je l'ai commandée beaucoup plus tard. Les deux autres, je les ai commandées le même jour. C'est ça que je trouve chelou, c'est que je les ai commandées le même jour et que bah, je les ai pas eu le même jour. Bref. Donc là, petit coton de rose. Pour essayer de me réveiller un peu. Alors, mon petit week-end. Vendredi, j'ai tourné Sailor Vénus, que vous aurez lundi, donc demain pour vous. Voilà, c'est tout. Après, je vous ai laissé, hein. Après, ça a été vie quotidienne, comme d'habitude. Le samedi, j'ai tourné Sailor Jupiter, le matin. Et puis après, j'ai tourné un réel, vu qu'on a été manger chez ma mère. J'en ai profité pour tourner un réel pour me maquiller. Et donc, on a été manger chez ma mère. On est rentré très tard. Il va mettre 15 jours à s'en remettre. Hein. On est rentré à 2h au matin. J'ai été me coucher vers 3h. J'étais épuisée le lendemain. Attends, j'ai toujours mon bobo au nez. Là. Je sais pas ce que j'ai. Et bah c'est tout. On est rentré à 2h. Ça faisait longtemps que j'étais pas rentrée si tard et que j'avais pas été me coucher si tard. Le lendemain, je me suis levé à 9h. Hein, donc j'ai pas fait non plus une grasse mat de foufou. Et c'est tout pour le samedi. Et dimanche, hier, j'ai fait principalement le montage donc, de mes vidéos, de mes réels et tout ça que j'avais filmé. Principalement le vendredi et le samedi. Et j'ai glandé. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une journée sans rien faire. Sans filmer, du moins. Là, je vais attendre que ça pénètre. Mes petits soins liquides. Et voilà pour le week-end, c'est tout. Franchement, j'ai pas fait grand-chose. Bon, à part le samedi chez ma mère. Et voilà, j'ai rien d'autre à dire. J'ai de la buée. À chaque fois que je mets des produits, j'ai de la buée sur mes carreaux. Là aujourd'hui, je vais voir si je reçois Shein pour vous tourner le haul pour vous le mettre demain pour moi. Sinon, ce sera jeudi. Parce que là, je pense que je l'aurai au pire demain. Il faut que je vous montre une astuce. J'ai testé hier. Donc je ferai ça dans la semaine, probablement mercredi. Je referai un petit masque et une astuce pour qu'il tienne mieux sur la face. Je vous montrerai ça, j'ai vu ça sur Insta. J'ai testé le soir même et franchement, je suis bien contente d'avoir trouvé cette petite astuce. Voilà. Sinon, pour les Sailor Moon, je suis toujours sur Sailor Moon. Hein. Après, il y a beaucoup, beaucoup d'épisodes. J'en suis à l'épisode 91. Donc c'est les Sailor Moon S. Hier soir, j'ai regardé le film. Sailor Moon R, puisque j'ai fini la saison des R. Et voilà. Bon, du coup, j'arriverai au cristal. J'aurai déjà fini de tourner mes vidéos. Mais j'ai les idées pour tous. Donc maintenant, j'ai plus qu'à peaufiner les petits accessoires et les petites idées et tout ça. Et voilà. Donc, c'est tout. Sinon, encore une semaine de congé pour Georges. Aujourd'hui, la copine d'Enzo repart aujourd'hui. C'est pour ça que je filme pas une Sailor parce que ça va être beaucoup trop bruyant. Tant qu'ils dorment, ça va, mais j'essaie de pas parler trop fort pour pas les réveiller non plus. Parce qu'ils dorment juste au-dessus de mon bureau à moi. Et quand ils sont réveillés, c'est impossible. Vous avez vu dans le vlog précédent. Quand ils sont là, c'est impossible de faire quelque chose avec eux. Donc voilà, aujourd'hui je vais faire le réel parce que ça, j'ai pas besoin de son. Si je reçois Shein, je tourne Shein.
Par contre, j'ai voulu aller prendre les captures des trois tops que j'ai achetés. Et il y en a un, j'ai plus accès. C'est marqué que le produit est inexistant. Alors que bah, d'habitude, s'ils en ont plus, ils marquent qu'il est en rupture. Pas inexistant. Donc, je comprends pas. J'arrive plus à aller dessus. Donc je vais voir si j'arrive à choper la capture au moins de ma facture, enfin de ma commande. Et ça va être chiant. D'habitude, je vous affiche ce que le top y vaut, quoi. Mais tant pis, hein, si je ne sais pas l'avoir. D'habitude, je l'ai fait avant les captures. Alors, j'ai fait beaucoup de choses sauf ça. Voilà. Sinon, ouais, cette semaine, bon, ça va être calme, hein, c'est la dernière semaine de congé. Enzo, pour l'instant, il n'a pas été recontacté pour travailler. Je sais pas où ce qu'il en est avec sa formation non plus, il faudrait que je lui demande un peu. Parce qu'il me semblait que ça devait commencer au mois d'avril, mais c'est peut-être après les congés scolaires. Voilà. Sinon, ouais, je voulais vous remercier aussi pour les retours sous le vlog précédent qui est sorti pour moi hier, hein. Donc j'ai lu tous vos commentaires et franchement, c'est là qu'on voit la bienveillance des gens. Après, c'est pas que je vous ai dit, hein, elle m'a pas blessé du tout, hein, cette personne-là. C'est juste que j'arrive pas à comprendre. Moi, quand je comprends pas un truc, ça me trotte dans la tête tout le temps. Ma curiosité maladie fait que je veux toujours tout comprendre. Et ma logique surtout. Et comment? Je ne comprends pas ces gens qui ont un besoin continuel de rabaisser les autres pour se sentir mieux dans leur peau. J'arrive pas à comprendre. Et j'ai quelqu'un qui m'a dit, mais où est passée la bienveillance? Ben, je me le demande. Mais je crois qu'elle est réservée à notre communauté, en fait, hein. Quand je vois la bienveillance que vous avez tous, que je pense avoir aussi, c'est incroyable qu'il y ait autant de bienveillance d'un côté et autant de malveillance de l'autre. C'est un truc de fou. Mais bref, on ne fera pas l'éducation des gens. C'est pas le genre de personne à qui on peut apprendre à être gentil. La gentillesse, ça s'apprend pas. C'est inné chez les gens. La gentillesse, la bienveillance, le respect. Le respect, ça peut s'apprendre, mais le reste, je crois que c'est dans les gènes, je crois. C'est pas possible autrement. Et beaucoup de personnes en manquent, et comme on disait dans les commentaires, surtout depuis le confinement, j'ai l'impression que les gens, d'avoir été isolés, ça les a rendus complètement teubés. Écoutez, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Là, ce matin, j'ai encore eu un commentaire. Comme quoi mon teint était trop blanc sous mon réel de ma routine teint. Donc vous voyez que les gens. Et le pire, c'est que c'est un compte avec 7000 abonnés, hein, 7000 followers. Bon, la fille, j'ai été voir un peu son truc. Elle est pas faite de la tête aux pieds. Voilà, c'est un mannequin. Le pire, c'est qu'on voit que ça match. Alors oui, c'est un peu clair à cause de l'éclairage, mais on voit que ça match avec mon cou, donc. En même temps, j'ai envie de dire, si mon teint est vraiment trop clair, hein, pour sortir de chez moi, c'est moi qui ai l'air con, c'est pas toi, quoi. Ah là 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 là. Et puis elle avait mis son petit émoticône avec une petite larmichette. En plus, ça l'a fait pleurer que mon teint était trop clair. Ah là 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 là. Bon, moi pas, hein, perso, mais bon. Bon, voilà pour mes petits soins. Oh, cette crème à la banane. Elle est réconfortante, cette crème. C'est un truc de fou. Et là, ce matin, j'ai vu, on est à 4 abonnés. Des 4K. Donc, je pense que possiblement la semaine prochaine, je pourrais commencer à préparer pour le concours. Je vais attendre de dépasser un peu les 4000, hein, parce que sinon, une fois que je vais lancer le concours, enfin, une fois que le concours sera terminé, je vais repasser en dessous. Alors, ça m'intéresse pas.
Donc, je pense que je vais attendre de passer un peu les 4000, comme ça me laisse le temps de l'organiser, de bien revoir ce que j'ai dans le concours, dans le lot, et voir si j'arrive peut-être à rajouter quelque chose que j'aurais envie de vous rajouter, je sais pas. Après, j'ai déjà beaucoup moins. Ah, vous verrez ça quand le concours sera lancé. Mais je pense qu'on va pouvoir le prévoir fin du mois d'avril. Donc c'est cool, je suis contente. Ah oui, et j'ai aussi depuis vendredi, je crois. Jeudi ou vendredi, j'ai peut-être oublié de vous le dire. J'ai les liens d'affiliation chez Sephora. Donc je vous mets le lien en barre d'infos. Voilà, si vous voulez commander quelque chose sur Sephora, bah, n'hésitez pas à passer par mon lien. Et voilà, c'est tout. C'est tout ce que je voulais vous dire. J'étais bien contente de les avoir, même si je commande pas énormément de produits chez eux. C'est vrai que quand je vous parle de beauty, par exemple, ou des melty, ou des trucs comme ça, bah, je peux maintenant vous mettre un lien affilié. Je vous mettais déjà les liens avant, donc ça changera rien. Hein, mais je crois que je suis en train de me choper une kéloïde sur le piercing ici au-dessus. Il me fait super mal celui-là. Après, c'est hyper sensible, hein, le bout de l'oreille là. Mais ça me gratte et je crois que j'ai ouais, un petit début de kéloïde. Il faudrait que je retourne voir pour les soins. Après, il bouge très bien et tout, hein, donc j'ai pas de problème. Ça aussi, on a été manger chez ma mère donc samedi. Ma mère, c'est une personne qui juge tout le temps. Et le premier truc qu'elle a critiqué, c'est mes piercings. Mais qu'est-ce que t'as été faire là? C'est du n'importe quoi. Hein, c'est encore ce que je veux, c'est mes oreilles, quoi, c'est pas les tiennes. C'est mes oreilles, c'est mes sous, j'ai envie de te dire, je fais ce que je veux. J'ai 42 ans, hein, j'en ai plus 12. Hein. Et ma mère, elle est aussi pas malveillante, mais elle est toujours dans la critique et le jugement de tout et de tout le monde. C'est peut-être pour ça que je suis l'extrême opposé, mais voilà. Bon, bref, là, je vais aller me refaire un café, je vais aller ranger mon petit bordel, préparer pour faire mon réel. Après, il faut que je prépare tout pour mes vidéos Sailor que j'aimerais bien finir cette semaine. Donc, je ne vais pas en tourner aujourd'hui, mais je pense que les trois qui restent, je les tournerai à la suite cette semaine. Enfin, pas le même jour, hein, mais la suite les uns des autres. Enfin, un jour après l'autre, quoi. Oh, j'ai n'importe quoi. Là, je vais me refaire une recharge de café parce que j'en ai bu qu'un depuis que je suis levée. Mais je me suis levée tôt, hein, je me suis levée à 7 h. En même temps, c'est le chat qui m'a réveillée avec ses moustaches dans le nez encore. C'est sa manière préférée de me réveiller en ce moment. Et le pire, c'est qu'il me réveille juste pour avoir des caresses, quoi. Après, il descend, là, il dort devant le poêle. Rien à foutre. Voilà, il m'a réveillé, il est content, il a eu trois poupouilles, et puis maintenant, il dort. Saloperie, va. On a rigolé avec les chichous. C'est vendredi, quand chéri, il est rentré, il a retraficoté un peu la cage. Je vous montrerai ça demain. Il a enlevé le tube qu'on a mis de l'arbre à chat parce qu'il bouffait le plastique et la corde, il déroulait la corde et ça pouvait être dangereux qu'il ne se retrouve pas pendu dans la cage, vous voyez. Donc il a mis une planchette et il a remis une ou deux étagères. Et du coup, il avait fait sortir les chichous pour avoir accès à la cage plus facilement. Il l'avait mis au milieu du salon et tout. Mais il y a Grogu qui a été l'aider. Malin. Il lui piquait les vis et puis il se barrait avec les vis. Et il y avait Géry qui courait derrière. Rends-moi ça, donne-moi ça ici, ici. Et moi, j'étais à la cuisine en train de faire du rangement. Et j'étais mort de rire à la cuisine. Je l'entendais d'ici. Et il gueule après le gros coup. Ramène-moi ça, donne-moi ça. Voilà. Après, c'était dangereux. Hein, fallait pas lui laisser. Mais c'était trop drôle parce que dès que Chéri tournait le dos, gros coup venait piquer quelque chose. Il a passé. Chéri a fait ça pendant 2 heures, je crois. Les 2 heures, Grogu, il les a passés à côté, à regarder ce qu'il faisait. C'est ça, le pire, c'est qu'on sait rien faire avec eux, ils sont tout le temps dans les pieds, quoi. Quand on nettoie la cage, on se met là avec l'aspirateur, ils ont tout le salon, non, ils sont tous les trois là, en train de vérifier ce qu'on fait. Hein. Les inspecteurs des travaux finis, les trois. Bref. Bon, allez, sur ce, moi je vous laisse, je pense qu'on peut déjà switcher 2 jours, ça fait déjà 15 minutes que je blablate, hein, comme d'hab. Et j'ai rien de spécial aujourd'hui, hein, à part si je reçois mon colis Chine, mais ça je vais le tourner et vous aurez déjà eu la vidéo.
façon, vous l'aurez déjà eu, puisque je pense que au pire, jeudi, je pourrais la tourner. Donc je vous la remets en barre d'infos. Et voilà. J'ai manique panique. J'ai fait un sondage pour voir, parce que j'hésite entre la couleur quand Amy doit me refaire les cheveux, entre le vert de manique panique ou le turquoise que j'avais déjà fait. J'ai manique panique qui vient de me réveiller, fait les deux. De me répondre, fait les deux. Ah là là. Bref. Bon, sur ce. Bon, suite toujours. Il est 9h34. Il est très tôt. Enfin, très tôt. Tout est relatif. J'ai déjà tourné. J'ai un foil. J'ai déjà tourné le make-up. C'est l'heure mars. Je me suis démaquillée, j'ai refait mon teint. Là, j'attends le facteur puisque je reçois mon colis Shein, le deuxième. Et du coup, je vais vous tourner le haul Shein. Avant, je ferai un réel pour être maquillée. Et voilà. Donc, hier, j'ai eu la meilleure des nouvelles du monde. J'ai Amy qui descend vendredi pour passer la journée avec moi. Enfin, une partie de la journée, hein, puisque bon, il y a quand même presque 2 heures de route. Donc. Voilà, ça enlève du temps qu'on peut passer ensemble, mais du coup, elle va en profiter pour faire mes cheveux. Donc, on vloguera un petit peu ensemble, mais vous ne verrez pas le résultat final, puisque ça sera une vidéo, voilà, que vous aurez lundi. J'ai rechangé un petit peu mon programme. Du coup, voilà, je vais la mettre, parce que comme ça, mes cheveux sont faits. Vous aurez eu la vidéo, même si après, les sellors, ça sera... Ça sera pas avec les cheveux colorés, mais voilà, comme ça, on se fait des vidéos ensemble. Il y en aura une sur sa chaîne aussi, je sais pas quand est-ce qu'elle va la prévoir. Ouais, lundi pour vous, vous aurez la vidéo. Ensuite, il y aura les 5 Cellor et le vlog pour la semaine prochaine. Voilà, comme ça, vous avez le planning. Attends! Les réels, je sais pas trop où j'en suis. Il y en aura moins la semaine prochaine. Hein. Après, je vous ai fait un sondage, ça sera Colourpop. Mais je pense que je posterai peut-être qu'un jour sur deux et pas tous les jours. Parce que c'est contraignant, aussi bien dans le tournage que dans la publication. Puisque du coup, j'ai du mal à publier les photos des make-up, des vidéos et tout ça pour garder un feed à peu près... concordant, cohérent, voilà, cohérent, c'est le mot que je cherchais. Bref, donc je verrai bien, mais de toute façon, les prochains réels, c'est... Attends, c'est Colourpop. Donc hier, j'ai commandé mes colos, donc du coup, j'ai écouté ce que m'a dit Manique Panique, hein. J'ai rigolé avec eux. J'avais fait un sondage pour voir si je faisais turquoise ou vert. Ils ont voté turquoise à mon sondage. Et après, ils m'ont envoyé fait les deux. Lui. Et du coup, j'ai commandé les deux. Voilà, donc Amy devrait s'en sortir. On verra bien ce que ça donnera. J'ai hâte de voir le résultat. Et j'ai surtout hâte de la voir. Voilà, donc on passera plusieurs heures ensemble. Et on va pouvoir faire des vidéos ensemble. Manger ensemble et rigoler ensemble et papoter ensemble et critiquer ensemble. Et voilà, on va faire le petit café potin en direct cette fois-ci. Donc c'est tout. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Voilà, je vais essayer de pas trop blablater la semaine, comme ça je peux essayer de vous filmer au maximum vendredi. Et la vidéo, ça vous permettra un peu parce que vous nous voyez rarement réunis. Vous nous voyez de temps en temps en vlog, mais on fait juste un petit coucou parce qu'on ne prend pas le temps de vloguer ou des choses comme ça quand on est ensemble parce qu'on préfère être ensemble, toutes les trois. Donc là, Manon ne sera pas là parce que de base, c'était pas prévu. Donc du coup, vous nous verrez un peu plus ensemble, j'ai envie de dire. Voilà, donc j'ai hâte. Vivement, vendredi, la semaine va être super longue, même si j'ai pas beaucoup de temps aujourd'hui. Donc voilà, bon, sur ce, on peut switcher deux jours. Alors il est super tôt, hein. Il est même pas 7h, enfin il est 7h, on va dire, il est 58. Je sais pas par où commencer. Je reçois ma palette Glisten aujourd'hui, donc je vous reprendrai tout à l'heure quand je l'aurai reçue.
pour vous la montrer, et je vais aussi réorganiser mes trois palettes parce que j'ai commandé beaucoup de verres. Donc je crois que je vais faire une palette de verres. Je vais plutôt les classer par couleur, sinon je dois trop chercher dans toutes les palettes quand je cherche une couleur spéciale. Donc je les classerai par couleur plutôt que par format. J'avais mis les splits dans une et les complets dans l'autre. Donc on fera ça ensemble, je pense. Je réimprimerai les noms, comme ça ce sera plus simple. Et je verrai mieux où j'en suis. J'ai toujours mon bobo de nez. Alors je sais pas du tout, je me demande si c'est pas un bouton de fièvre. Hier j'ai collé un patch Boosty Shop là toute la nuit. Et du coup ça a croutiné. C'est dégueulasse. Alors hier j'ai reçu un colis surprise de Maryse, encore. Et elle m'a envoyé deux montres connectées. Donc il y a celle-ci et celle-ci qui est là. J'ai essayé de la connecter hier, j'ai pas réussi. Elle est magnifique. Elle est sublime. Sauf qu'elle n'est pas entièrement tactile. Elle est juste tactile ici en dessous en fait. Mais j'arrive pas à la connecter à mon Bluetooth. Par contre le bracelet il est génial, il est aimanté. Donc vous pouvez le régler comme vous voulez. Et elle est super lourde. Je vous jure, elle est hyper lourde. Donc je verrai bien. Je regarderai encore à ça tout à l'heure. Donc merci Maryse, hein, comme d'hab. Elle me les a envoyés parce que comme je suis allergique au bracelet de l'autre. Mais au pire, ce que je peux essayer de faire, c'est de changer le bracelet de l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Et il y a celle-ci qui est plus petite. Donc il faut que je regarde un peu. Je ne l'ai même pas allumée encore celle-là. Mais sauf que le bracelet est beaucoup trop long. Elle m'a dit qu'il se réglait. Mais je ne sais pas comment. Donc il faudra que je regarde. Parce qu'elle est jolie aussi, hein, portée. Et mais ce qu'il y a, c'est que le bracelet est beaucoup trop grand, quoi. Même si je le ferme, voilà, je le perds. Mais je vais regarder à ça quand j'aurai le temps. Celle-ci au poignet, elle est canon. Mais je vous jure, j'en reviens pas comment ce qu'elle est lourde. Et vous voyez, en fait, vous réglez. Ici, c'est un aimant. Donc vous tirez dessus et pam, ça s'attache. Donc elle a direct la bonne taille. Mais qu'est-ce qu'elle est lourde? J'en reviens pas. J'aime bien la forme du cadran aussi, mais bon, je vais essayer de voir. Sinon, je vais essayer de voir pour changer de bracelet et mettre ce bracelet-là sur la mienne. Pourquoi pas? Tant qu'elle n'est pas vendue, je peux essayer. Hein. Faut juste que chérie regarde pour essayer de me récupérer les tiges. Donc voilà, ça sera une petite occupation à faire quand j'aurai un peu de temps à perdre. Donc, merci, maman. Ah là là, je vous jure. Mais en plus, elle me l'a envoyé dans un colis Amazon. J'ai dit, tiens, j'ai déjà reçu mes colis. Ben non, c'était un colis de Maryse. N'est-ce pas? Elle est folle. Alors, je vais vous montrer la petite astuce masque. Parce que hier, j'ai enchaîné deux make-up. Enfin, un artistique et un réel. J'ai pas fait mes soins. J'ai fait la grosse feignasse. Donc, je vais prendre le masque Boosty Shop à la vitamine C. C'était Nico qui m'avait envoyé leur colis de Noël. J'ai pas voulu prendre un beau masque. J'ai pris un blanc. Pour vous montrer l'astuce. J'ai pas essayé avec les beaux masques encore. Ah, ça coule. Évidemment. Donc, vous mettez votre petit masque. Après, moi, je vais tourner Sailor Mercure. Faut que je me démaquille avant de vous reprendre. Parce que je veux pas vous spoiler les make-up. Je vais vous donner le planning aussi après. Parce que je perds un peu de temps. Oh, il y a des petites oreilles. Donc, quand vous posez votre masque, moi j'ai toujours le problème que ça baille de partout, surtout ici. Que ici, c'est pas très. Vache, il sent fort l'orange. Donc, l'astuce que j'ai vue, c'est vous prenez le ciseau, donc un petit, vous faites gaffe, hein. Elle coupe ici. Elle coupe ici. Essayez de ne pas me faire bobo à mon bobo. Et ici. Donc ici, vous le replacez correctement. Et ensuite, on peut resserrer ici et ici. Pour qu'il tienne mieux sur le contour de la bouche. Et je l'ai fait la dernière fois et c'est génial. Et franchement, j'ai envie de dire, on peut même couper un peu ici. Attendez.
bien faire le tour. Nickel. J'aurais jamais pensé à couper mes masques pour les mettre mieux sur ma face. Voilà. Et au moins, ça tient. Bon, pas ici. Il y a un peu d'arche là. Et voilà. Donc j'ai essayé de poser ça 10 minutes. Ah, bon, enfin, il ne veut pas se superposer correctement ici. Je vais vous donner le planning de la semaine prochaine avec ma tronche bizarre. Bon, ceci, il est peut-être un peu trop épais pour le faire. Mais écoutez, c'est une astuce qui marche. En tout cas, j'ai déjà essayé, donc j'en suis contente. Alors, la semaine prochaine, lundi, donc demain pour vous, vous aurez les cheveux que Amy va me faire. Du mardi au samedi, les Cellor et dimanche, le week-end. Voilà, c'est pas bien compliqué, le planning est fait. Et les réels, je sais pas encore. Vous aurez lundi le réel pour les cheveux, mardi le réel pour mes ongles, que vous avez déjà eu la vidéo, que vous avez eu vendredi. Et samedi, le récap de toutes les Cellor. Donc voilà, j'en placerai certainement un le jeudi. J'ai tourné le Sojit, enfin, la première Color Pop, donc je sais pas. Je verrai bien comment je les tourne, ou alors je décale celle des ongles, je sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. On verra bien. Donc voilà pour le petit planning. Aujourd'hui, il faut aussi que je trie le concours, enfin le lot du concours, parce que je crois que j'ai un peu abusé. Oh, ça tient pas. Franchement, la dernière fois, c'était nickel. Et là, en même temps, je parlais pas. Et là, je vous montre, ça tient pas. Mais bon, sachez que l'astuce fonctionne. Peut-être pas avec les masques un peu plus épais, mais j'avais fait avec un W7 au charcoal. Je crois que c'est aussi que Nico m'avait envoyé. Je sais plus. Donc le concours, je l'ai programmé à partir du 7. Du 7 au 28. J'ai pas pu, j'ai pas pu le mettre avant. Déjà le temps que je prépare tout. Et en plus, il faut que je me base sur la paye, l'arrivée de la paye pour pouvoir envoyer le lot assez vite. Et pas faire attendre la gagnante pendant 2 semaines après. Voyez, je préfère le lancer un peu plus tard. Et pouvoir envoyer vite le lot à la gagnante, parce que je sais qu'on est assez impatient de les recevoir quand on gagne un concours, même si c'est rare que j'en gagne, mais j'en ai gagné un chez Natacha la dernière fois et j'étais impatient de recevoir mon colis. Hein. Donc voilà, bon, ça tient pas bien, je suis dégoûtée. Je vous montre l'astuce et ça fonctionne pas super bien. En même temps, t'arrêterais de causer, mamie. Donc si vous testez, vous nous le dites, hein, mais franchement, cette petite astuce là était pas mal. Il y a les chichous qui m'appellent. Je suis réveillée depuis 5h30, en même temps j'ai été me coucher à 22h. J'étais pas bien hier, oh là, ça fait 2 jours que je suis épuisée, alors vraiment épuisée. Alors que je fais mes siestes, mais mes siestes sont pas de tourpeau avec les gosses. Hein. Donc là ils partent aujourd'hui, jusque demain, et puis ils repartent vendredi jusque je sais pas quand. Et puis mardi l'école reprend, donc ce sera déjà un peu plus calme. J'espère qu'Enzo va rebosser un peu aussi, donc c'est vraiment très calme. Et là ils partent en début d'après-midi, je crois que je vais même pas faire de sieste, que je vais juste profiter du calme. Quoi. Ah, ils sont bruyants, mais bruyants. Donc là, depuis 5h30, j'ai déjà fait mes petites to-do list pour ce week-end, enfin pour le reste de la semaine plutôt. J'ai fait de la vaisselle, fait un peu de rangement, un peu de nettoyage, tout ça. Parce qu'il faut quand même que la maison soit à peu près rangée pour quand Amy aime bien. Il faut que monsieur me vire toujours l'imprimante là et son fauteuil, son deuxième fauteuil qui traîne, hein, que ça fait 3 mois que je demande de bouger. Commencer à savoir comment vont les messieurs, hein, n'est-ce pas, fonctionnent les messieurs.
Bref, bon, allez, sur ce, moi je vais aller tout préparer pour tourner Sailor Mercure. Et il faut que je descende un truc pour faire pour mon make-up Sailor Moon. Et voilà. Me chauffer mon bureau. Descendre mes palettes Glisten, comme ça j'ai plus besoin de remonter les chercher après. Et j'aimerais bien quand est-ce que je trie le lot du concours. De toute façon, j'ai encore un peu le temps d'en faire la vidéo. Je la ferai que la semaine prochaine. Donc voilà. Allez, sur ce, je vous reprends tout à l'heure quand j'ai reçu ma palette. Bon, je sais absolument pas comment je suis cadrée parce que je vous filme avec le téléphone, mais avec la face arrière, donc je vois pas, j'ai pas de retour. Je viens de recevoir ma palette Glisten, donc je vous la montre et moi après je vais m'amuser à bidouiller avec les deux autres pour voir pour les arranger et noter les noms à l'arrière. Donc voilà, c'est toujours pareil, hein, ça se présente comme ça dans des pannes de 15. Enfin, moi je les prends par 15, après vous avez moins. Hein. Et voilà les couleurs que j'ai prises. Donc j'espère que vous les voyez bien. Donc il y a 15 fois 3 grammes. Donc c'est des petits pots en fait. Et du coup, les splits, ça fait 1,5. Donc là, je vous ai dit, quand j'ai passé ma commande, j'ai juste pris en double. Du coup, j'ai le pêche ici. Et je l'ai ici. Aussi, voilà, j'ai pas vraiment fait gaffe, et pareil, celui-ci, je crois que je l'ai dans le camo, mais voilà. Après, c'est le risque quand on en a autant. Je vais peut-être faire les swatchs d'ailleurs. Ouais, je fais les swatchs, je viens vous montrer les swatchs, et après, je règle la palette et je vous montre après. Donc, je vais déjà faire les swatchs. Donc voilà les swatchs, j'espère que vous voyez bien parce que je vois toujours pas qu'est-ce que je fais. Ils sont très beaux. Donc maintenant je vais m'amuser à ranger mes palettes et bah, je pense que je vous les montrerai demain. Parce que là les gosses, le bordel, la copine d'Enzo vient d'arriver et c'est encore plus le bordel. Ils doivent partir mais je sais pas quand. Donc j'attends qu'ils se barrent avec impatience. Je sais pas si vous les entendez mais voilà. Donc, je vais organiser ça, faire mes petites étiquettes et tout ça. Et je vous montre ça demain. Donc, du coup, on switch toujours. Alors, il est 8h56. Je viens de me démaquiller. Je viens de tourner Sailor Moon. Voilà. Donc, vous l'aurez samedi. Attendez, si j'ai pas de bêtises. Oui, c'est bien ça. J'étais bien fière de mon make-up. Mais comme je l'ai depuis 5 heures. J'ai eu le temps de faire pas mal de choses déjà depuis ce matin, n'est-ce pas? J'ai déjà commencé aussi le ménage, le rangement et tout ça, parce que demain il y a Emile qui vient. J'ai préparé tout ce qu'il faut pour mes cheveux. Je vais vous montrer juste après. Attendez, je bois un coup de café, je me dessèche. Donc j'ai fini les désinfections, enfin la désinfection et la pommade cicatrisante de mes piercings. Donc maintenant je les nettoie juste à l'eau. Voilà, tant que je sens que ça tire un peu, et voilà. Donc, je vous ai montré hier la palette Glisten que j'ai reçue, et je vais vous montrer maintenant ce que j'en ai fait. Donc, du coup, j'ai trois palettes, et aujourd'hui, je reçois mes deux splits. Voilà. Donc, j'ai d'abord mis ceux-ci ensemble. Donc, on a je sais pas trop comment ce qu'ils s'appellent, ceux-là, c'est des duochromes, en fait, c'est plus des toppers, donc vous faites un trait de liner noir, et vous remettez ceux-ci par-dessus. J'ai mis celui-ci parce que c'est le seul jaune que j'ai. J'ai mis les marronnés et ici un peu rouge, les gris. Voilà, et j'ai mis un peu les teintes qui vont ensemble. Ces deux-ci, c'est des lumineux aussi, donc c'est plus des toppers aussi duochrome. J'ai pas essayé encore de m'en servir uniquement comme trait de liner. Mais voilà. Et à l'arrière, j'ai noté les teintes. Donc je les ai imprimées. C'est plus facile pour moi de m'y retrouver. Voilà. Dans la deuxième, j'ai fait les teintes violette et mauve. Violette et bleu. Voilà. Donc il y a les nouvelles qui sont mélangées. Alors ici, on a l'impression que c'est les deux mêmes, mais ce n'est pas les deux mêmes. Voilà. Après, j'ai des doublons. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Parce que comme j'achète les splits et les entiers, ça arrive, bah, comme avec le pitch là que je vous ai expliqué hier, ça arrive que dans les splits, il y ait de nouveau un. Hein, un des mêmes, mais ici ça a l'air quand même assez cohérent. Les deux bleus foncés, c'est pas les mêmes. Peut-être celui-ci et celui-ci, c'est peut-être les deux mêmes.
Mais bon, vu la quantité. Alors pareil pour les trois là, hein, ils se ressemblent, mais c'est pas les mêmes. C'est à chaque fois, ça se joue à des sous-tons, hein, c'est pas. Voilà. Et j'en ai fait une. Bon, j'ai juste mis le split ici doré et argenté parce que il allait très bien ici. Ici, j'ai le noir qu'il faudrait que j'utilise avant d'utiliser mon deuxième cola que j'ai. Voilà. Et c'est pareil, je pense pas, à part les deux ici, c'est les mêmes. Dans le split ici et là. Le reste, je pense pas que ce soit, que ce soit les mêmes. Donc, écoutez. Je suis bien contente. Et ici, j'ai mis les trois lumineux en premier. Voilà, ici, c'est un lumineux aussi, je crois. Je ne sais plus trop de mémoire, mais... Voilà pour mes petites palettes. Je vais pouvoir aller les rincer. Et là, je reçois les splits. Donc, j'ai pris le pastel et le néon. Je pense que je vais me prendre la warm quand même pour avoir plus de teintes orangées. Mais il me semble qu'il y en a dans l'autre. Je sais plus. Enfin, de toute façon, je vais tourner après, une fois que le facteur est venu, je vais tourner le... Quand je teste des nouveautés, donc j'ai utilisé un des splits, au moins un. Je vais enfin pouvoir tester le fond de teint Révolution et les produits Disney. Hein. Sinon, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Donc il faut que je vous montre ce que j'ai préparé pour mes cheveux. Attendez, je regarde ce que j'ai noté. Bah, c'est tout. Ouais, donc je reçois les Glisten. Après, j'irai filmer. Là, en attendant, je vais faire un peu de ménage. De ménage avec un CHE à la fin. J'espère que les vidéos sellers vous plairont parce que je me suis éclatée à les tourner. Mais vraiment. Alors, oui, vous m'avez demandé les Winx aussi, mais on va attendre un peu. Hein. Ouais, je vais pas vous surcharger de make-up du genre. Là après je vais, une fois que le facteur est venu, je vais aller tourner deux vidéos. Le crash test de mes nouveautés et les coiffures avec les bijoux de tête. On me le demande beaucoup, hein, mais voilà, c'est que pour la semaine d'après. Je les ai utilisés pour le 29. Bon, comme ça, vous savez aussi, je l'ai partagé sur Insta parce qu'on me demande. Mais je fais ce que je peux. Bon, après, c'était prévu pour la semaine prochaine, de base, mais comme je voulais mettre absolument les sell-or. J'ai un peu modifié. Donc là, je vais vous reprendre au téléphone pour vous montrer le carnage du bordel qu'il y a sur la table pour mes produits cheveux. Et je pense qu'après, je vous laisserai. Je vous montrerai quand même les produits Glisten. Ouais, de toute façon, je reçois mes colos Manic Panic aussi. Donc je vous montrerai que ça quand le facteur sera passé aussi. Avant ou après avoir été filmé, je ne sais pas. Mais je vous reprendrai après. Bon, là, je vous montre déjà les trucs. Le carnage pour mes cheveux. Donc voilà le petit bordel. Donc ça c'est ce qu'il faut que je monte pour tourner ma vidéo et ranger. J'ai pris un vieil essuie qui est déchiré de partout. Ça c'est des petites choses que je dois donner à Amy. Donc bah, son cadre que je lui avais fait qu'elle a oublié la dernière fois. La petite licorne. Ça je vais lui donner celui-là puisque moi j'ai pris des autres. Les faux persil parce que j'en ai plus besoin. Je vais préparer un petit peu de base Fiblam pour qu'elle puisse la tester. Ça c'est ce qu'elle va devoir utiliser aussi bien pour les cheveux que pour se maquiller. Et ici, on a la boîte avec tous les produits capillaires. Donc, les capotes d'oreilles. Voilà. Je pense qu'elle va en reprendre quelques-unes. Les capotes de main. Ça m'a trop fait rire. Je sais plus qui c'est qui m'a dit la dernière fois. Oh, t'as oublié les capotes de main. Voilà. Les gants. Ma super Charlotte. Je sais pas si elle va en avoir besoin. Donc, un shampoing après shampoing parce qu'on va les laver à l'évier de la cuisine. Ça sera beaucoup plus simple pour moi. Ça, c'est pour après quand elle va me les lisser, ces protecteurs de chaleur. J'ai descendu les colos, donc il y a deux fois la Clean Envie et la bleue, je sais pas, de chez Révolution, je sais pas si elle va les utiliser, hein, mais j'ai tout préparé. J'avais aussi une comme ça de Manic Panic qui est la Shocking Bleue. Les deux boîtes de décolorants, hein, pour faire les mèches, donc c'est sérieux, c'est celle qu'elle m'a conseillée, donc j'ai pris celle qu'elle a utilisée. J'arrive plus à les remettre. J'ai descendu parce qu'elle a besoin de noir aussi pour refaire s'il y a des taches et tout ça que j'ai faites. Donc j'ai pris, toujours de chez Sayos, hein, moi je ne jure que par ça pour les colos. J'ai pris la noire intense et la noire beauté, je ne sais pas si elle va, laquelle elle va vouloir, la Cosmic Blue. Je ne sais pas laquelle elle va vouloir utiliser. Et j'ai préparé aussi mes petits pots et mes pinceaux pour appliquer les produits.
Voilà, donc on va aussi vous faire un petit réel avec ça, parce que voilà, ça m'amuse, j'ai eu une idée de réel un peu trop, donc on verra ce que ça donne. Et voilà pour mon petit bordel pour les cheveux. Et ça, c'est pour aussi pour les cheveux et pour ce que Amy aura besoin pour se maquiller et tout ça. D'ailleurs, je vais lui mettre la Poupette Otrera. Je sais qu'elle, elle l'aime bien. Moi, je préfère les Linda Albert. Et voilà, j'ai encore mon linge à ranger. Chérie doit ranger le sien. Mais j'ai débrassé ma table. Hein. Bon, ça, c'est mon haut de pyjama. Et j'ai encore un petit peu de ménage à faire. Voilà. Bon, allez, je vous reprends tout à l'heure quand le facteur sera passé. Vous allez m'entendre fort parce que mon téléphone est tout prêt. Il est 10h25 et le facteur vient de passer. Donc voilà, j'ai reçu mes deux colos Manique Panique. Donc j'ai pris la turquoise, atomique turquoise, comme c'est la couleur que j'ai là dans mes cheveux, et la Vénus en vie qui est beaucoup plus verte. Voilà, et il y a encore la bleue. Après, elles sont plus foncées dans le pot que sur les cheveux. Hein. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner demain. Enfin, demain pour moi, vous faudra attendre lundi. Alors j'ai reçu ma commande Glisten, donc j'ai pris un lot de deux pinceaux, c'est en promo, donc comme j'adore leurs pinceaux, merci Amy. J'ai pris le 2 et le 3 parce que c'est ceux que j'utilise le plus, surtout le 3 pour faire mon liner classique, voilà. Et j'ai reçu mes deux splits, ils sont trop beaux. Et franchement, comme elle disait Amy, ils sont plus... plus gros qu'on ne le pensait. C'est pour ça que finalement j'ai craqué, parce que c'est pas donné. Après, j'adore cette qualité. Et au final, ça revient moins cher que d'acheter tous les petits pots différents. Là, il n'y a pas la quantité de noter dessus. J'essaie de regarder. Hein, mais Si, 30 grammes. 30 grammes, vous avez 5 teintes. Donc ça fait 6 grammes par fard. Donc franchement, c'est une bonne moyenne, puisque les petits splits, enfin les petits pots, c'est des 3 grammes, et les gros, c'est des 10 grammes. Donc si vous comptez, ils sont à 8 euros sur le site officiel. Ils sont un peu plus chers sur Beauty Bay. Oui, ils sont sur Beauty Bay, hein. Et sur Boozy Shop aussi. Donc je vous mets les liens, je vous mets les liens de ceux que vous pouvez retrouver. Celui-ci n'était pas dispo sur Boozy Shop, c'est pour ça que j'ai commandé sur le site. Donc c'est le néon, c'est pour ça que j'ai revendu mes autres palettes, hein. Je cherchais des teintes, voilà. Donc il y a un jaune, après il y a un marron, donc je vois pas trop dans quoi c'est néon. Il y a un bleu, un rose rouge et un vert, je pense que je l'ai déjà dans les ceux que j'ai acheté la dernière fois, mais bon, c'est pas grave, hein. Au moins j'ai un orange. Et la pastel, c'est pour ça que j'ai revendu aussi, mais enfin, j'ai revendu mes palettes Révolution. Elle est magnifique. Voilà, donc il y a un jaune, un bleu, bleu, jaune, mauve, turquoise et rose. Ils sont splendides. Donc moi, je vais utiliser ça pour le crash test. Et voilà. Je vous mets les liens en barre d'infos de où là je l'ai trouvé. Moi, j'aimerais bien encore la Warm pour avoir plus de teintes orangées différentes, orangées jaunes, parce que ça, j'en ai pas des masses. Après, vous avez la Nude, vous avez les basiques, les couleurs primaires. Il y en a une dans les teintes violettes, je crois. Bleu-violette, je sais plus. Mais bon, là, on a compté avec Amy, avec ces deux splits-là, je suis à 70 couleurs quand même, hein. Donc je crois que j'ai assez. Je crois que j'ai de quoi moyenner. Voilà, ben écoutez, moi je vais filmer les deux vidéos que j'ai prévues. Il faut que j'achève mon ménage après. Là, j'étais en train de discuter avec ma nièce, elle était dans le train pour aller travailler. Donc du coup, elle est venue papoter un peu avec moi pour passer le temps. Et voilà, donc ben écoutez, de toute façon, je vous reprends demain quand Amy est là. Aujourd'hui, à part filmer, faire le ménage et la sieste, parce que je suis quand même levée depuis 5 heures au matin. Il faut quand même que je me repose un petit peu. Il ne va pas se passer grand chose. Donc on switch le jour et je vous retrouve demain avec Mimi Fofolle. Ah, attends, avec l'anneau lumineux, ça va pas, ça reflète dans mes lunettes. Regardez. Ah. Regardez qui c'est qui est là. Il est 9h30, il est très tôt, mais on est déjà bien motivé. Motivé.
On a déjà dit beaucoup de conneries, on va dire. Ouais. Ben, on a déjà bu un café et fumé 10 clopes. Aussi. Ne fumez pas. Très pas bien. Donc là, programme, on va tourner la vidéo cheveux, que logiquement vous aurez déjà eu parce que je vais la poster demain. J'ai fait un sondage, tout le monde m'a dit demain. Pourquoi tu te mets si loin de moi? Mais je me mets pas loin de toi, je m'appuie parce que je suis une vieille personne. Non, tu ne pues pas. D'accord. J'étais à la douche hier quand même, je me suis dit, Amy, elle vient, faut bien que j'aille laver mon cucu. C'était la première fois depuis 3 semaines. Oh, presque un mois. C'est que pour les occasions. Donc, on va tourner la vidéo des cheveux. Ensuite, on a une vidéo à tourner sur la chaîne d'Amy aussi que tu vas publier quand, toi? Dans la semaine. Dans la semaine. Donc, je vous mets le lien de sa chaîne en barre d'infos, évidemment, pour celles qui ne la connaîtraient pas. Super guest hein, sur ma chaîne, attention. C'est-à-dire hein. Les trois quarts des gens. On cherche le fame à fond. Hein. Là, ouh ça. Là là là. On se partage nos abonnés. Ce que je dis pas, c'est qu'elle me paye, en fait, pour la vidéo cheveux. Je la paye en restant amie avec elle encore au moins une année. Ouais. C'est déjà pas mal. Ouais. C'est déjà pas mal. Oui. Depuis le temps que je dis ça et que j'attends ma facture, enfin que je t'envoie la facture et que je reçois pas de paiement. Oh, mais ça, c'est avec le dindon, tu dois t'arranger. Il ne m'a jamais payé. Hein. C'est un enfoiré. Ouais, c'est vrai. Dindon. Bon, ça va, il regarde pas mes vlogs. Non, mais je lui dirai que tu parles de lui, comme ça il ira regarder, il te mettra un dindon en commentaire. Voilà. Donc, on fait la vidéo cheveux. Après, on a une vidéo à faire sur la chaîne d'Amy qui est. Bon, on va se maquiller chacune avec notre palette préférée, en fait. On va échanger notre palette préférée. Mais je lui ai dit préférée de préférée. C'était très précis, hein. Oui. Et on va répondre à quelques questions qu'on nous a posées. On n'en a pas eu des masses, mais on en a eu quand même quelques-unes, je pense. Toi, t'en as eu une douzaine. Ouais, moi j'en ai pas autant, mais. Ce que j'ai enlevé, parce qu'il y en a beaucoup qui proposaient des vidéos en fait. Mais il y en a qui comprennent pas trop le principe des questions. Il faut répondre à la question et pas donner une autre réponse. Mais ça, c'est pas grave, c'est les chichous. Oui, je me suis bien doutée. Et après, on mangera un bout. On doit faire le réel aussi. J'espère qu'Amy est bonne comédienne. J'ai une liste de tâches, hein. Je précise. C'est pas une liste de tâches, c'est pour se souvenir dans quel ordre il faut les faire. Parce que là, le réel, il faut le faire en plusieurs étapes. J'ai une liste de tâches. Donc voilà, bah écoutez, de toute façon, le résultat cheveux, logiquement, vous l'avez en barre d'infos, puisque normalement, j'ai ça. Vous voyez que je suis pas la plus tarée des deux, hein. On est d'accord, elle est complètement cinglée. Oui. Mais c'est pour ça que je t'aime. Oui. De toute façon, on vous reprendra un petit peu en mangeant. Non. Ouais, avec une mie de pain juste coincée dans les dents. Voilà. Bah, ça va, il n'y a pas de salade et pas de persil. Ah, c'est déjà ça. C'est déjà ça de gagner. Bon, allez, on va faire mes cheveux. À tantôt. Voilà, on vous prend à table. Parce que, voilà. On s'est fait un petit sandwich jambon, fromage, œuf dur et mayo. Mukbang. Ah, on attend que ça pose. Puis après, on rince. Après, on sèche. Après, on coiffe. On coiffe. On va tourner ta vidéo. Il vous sera l'heure de rentrer. C'est chiant. Hein. C'est la route, le problème. Hein. Mm-hmm. Déménage, bordel. Bah, bien. Le problème, c'est que si je déménage plus près, tu vas m'avoir dans les pieds tout le temps. Rien. On a été cons parce qu'au final, on aurait prévu ça mieux. On aurait pu passer le week-end chez moi, en fait, ce week-end-ci. On est des gogoles. Bah non, parce que je suis pas là dimanche. Oui, mais... C'est ça qui pose des problèmes. Mais la prochaine fois que Dindon, il s'en va, je vais passer le week-end là-bas. Comme ça, je suis moins toute seule et abandonnée. Voilà. Et comme ça, je peux l'emmerder encore plus en vrai que par téléphone. C'est vrai, ça. J'espère d'ailleurs que ton vlog fait au moins une heure hein, cette semaine. Bah écoute, j'étais déjà à 42 minutes hier. Plus ce qu'on filme aujourd'hui. On n'a pas filmé grand-chose aujourd'hui. Bah quand même, hein. Quelques minutes, quand même. Au pire, je laisserai des passages où je dis rien. Elle va faire du blabla, en fait, demain en plus, pour rajouter au fond du vlog, pour que je râle pas.
Bah non, mais c'est une clôture aujourd'hui. Et bah ce soir. Bah non, je ne clôturerai pas dans pas longtemps. Va chier. J'ai pas envie. Je fais beaucoup pipi, mais pas beaucoup caca. Attends, on va faire exception. On va faire un passage de vlog dans le vlog. Double vlog. Je vous filme. Comme ça, vous pourrez aller voir mon vlog et voir l'installation de qualité que nous a fait Evelyse aujourd'hui en guise de trépied. Donc c'est vraiment... Et puis, elle nous a fait la table. Alors, j'en ai besoin d'aller clore. Fais coucou. Du coup, vu que tu auras déjà sorti ta vidéo, je peux montrer dans mon vlog. Voilà, ça pose. Je vous montrerai quand même quand on aura terminé. Si elle m'a raté, vous gueulez. Hein. Trop tard, t'es coupé. Ouais. Donc, bah, vous, si vous voyez que c'est raté, vous gueulez. Hein. De toute façon, vous pouvez le dire puisque vous, vous avez déjà vu la vidéo. On peut pas être bonne dans tout ce qu'on fait. Quand on voit ça déjà. Après, c'est vrai que c'est un superbe modèle. Quoi? C'est vrai? Je vais vérifier les chevilles. Ah, les chevilles? Mmh. Elles vont très bien. C'est ma tête qui en. Tu vois, il y a un pont. Sinon, vous passez une bonne journée. Nous, on s'éclate. Hein. On s'amuse bien. Ouais. Moi, je bosse. Je vais regarder fumer des clopes le temps que moi, je bosse. Du coup, j'ai hâte de finir de bosser pour moi fumer une clope. Mais tu pourras en enchaîner 2-3 pendant que je fume, je vais à la douche. Mmh. Et parce que je vais devoir l'abandonner le temps d'aller rincer. Oui, parce qu'on a dû rincer les mèches dans l'évier de la cuisine. Et déjà, rien que le rinçage de mèches était compliqué. Donc, enlever les 10 tonnes qu'elle a sur la tête, là, impossible. Ou alors, on refait toute la couleur de ta cuisine en même temps. Plus ou moins. On va éviter. Maintenant, peut-être que si je les rince moi-même... Je suis plus mobile au-dessus de ma tête toute droite parce que toi... T'arriveras pas à toi voir. Jamais. Ça m'embête de t'abandonner. Parce que t'en as vraiment partout. Ouais. Partout. Mais ça, c'est parce que t'es pas douée. C'est toi, Camille, qui a collé n'importe où. C'est toi qui as fait des gouttes. Oh! Je suis choquette. C'est de toute beauté. Salutations aux gens qui n'ont absolument pas le temps, mais qui ont absolument le temps de nous espionner et de se foutre de notre gueule. La célébrité, que veux-tu? Ouais, je comprends. On nous aime trop. Ouais, ouais. Trop d'amour et tout et tout. J'aimerais bien me plaindre que j'ai pas de temps et avoir du temps à perdre comme ça, moi. Ouais, moi aussi. Bon, moi j'ai tout le temps que je veux, je fous rien de ma vie. Mais... Bon. Il faut que je clôture le vlog avant qu'on ait fini, par contre. Qu'il voit pas le résultat. Ah bah si, puisque... Ah bah si, je suis débile de ce que je dis. Quoi? Puisque la vidéo est sort avant. Bah oui, tu peux encore revloguer après. Hein. Tu peux revloguer quand tu as fini, bah oui, soir. Vous aurez déjà vu. Ils auront dû... Bon, par contre, les gens sur Vinted, faut arrêter de demander les boîtes et les modes d'emploi pour tout et n'importe quoi et pour un truc à 5 euros. Hein. Je suis désolée. C'est... Non. No way. Vous allez tous me rendre... Vous allez tous me rendre 5 euros. Mais c'est pas eux. Oui, mais je parle des gens sur Vinted. C'est jamais qu'il y ait des... On gueule pas ma communauté aussi fidèle, mon royaume est non, très mais adorable. Les gens qui viennent de YouTube, généralement, en plus, ils le disent, donc tu sais qu'ils te regardent. Mais là, c'est juste des pignoufs qui, soit, te font des offres. Déjà que tu mets un truc à tout petit prix, ça te demande deux fois moins cher. Bah, t'as vu, moi, 12 euros en moins pour un truc pas de main grossée. Je fous mon boucleur Wavy, je le mets à 8 euros alors que je l'ai payé 25. Donc, je le mets plus que moitié prix.
Et on vient me demander la boîte, le fonctionnement, est-ce qu'il n'a pas de marque d'usure? Tu l'as pas vendu? Non, 8 euros le truc. Je crois que tu l'avais vendu, mais garde-le-moi. Je donnerai un sou quand je viens à ton IF. Moi, je vais te le donner, je donne le frère à Manon, je vais pas te faire payer le tien. Il faut que tu te fasses un peu de sous avec tout ce que tu dépenses. Bon. Elle dit ça alors qu'elle sait qu'elle dépense tout autant que moi. Pas plus, mais tout autant que moi. Tu fais la comptabilisation de toutes tes commandes Chine de ces derniers mois, c'est mes commandes make-up. Hein, parce que t'en as passé 2, t'en as passé 3 en l'espace de 2 semaines, toi. Je commande jamais sur Chine. Ah, c'est ça. Mon cul, c'est du poulet aussi. Bon, bah, du coup, je vais l'enlever alors. Vous êtes témoin? Bah oui, ils sont témoins, ils voient tous tes hauls. Ah merde. T'as fait un haul beauté la semaine passée, t'as refait le haul Chine cette semaine-ci, tu viens dire que t'achètes pas. Tu les prends pour des pignoufs. Mais j'attends encore une commande. Oui, en plus. Hop, bah voilà, je l'ai supprimé, comme ça les gens ne casseront plus les couilles avec leur truc à la con. Oui, je suis vulgaire, au cas où. Bon, écoutez, on va continuer notre petite live. Amy, je pense qu'on quand je fais ça, regarde. Après, photo. Mais mon installation de qualité, bordel. Allez voir dans le vlog d'Amy si vous voulez voir comment est-ce qu'on est installé. Oui, franchement, c'est vraiment de qualité. Bah ouais, je suis impressionnée. Mamie Astuce. Mamie Guyver. Mamie Queen Guyver. Ouais, je te reprendrai pas en vlog, je pense. Donc, si tu veux leur dire au revoir. Salut. Bon, allez, tu coupes là, que je puisse fumer. Je vous souhaite une excellente... Mais si, t'as dit que t'allais leur remontrer quand même le résultat coiffé. Tu l'as dit tout à l'heure, hein. Que vu qu'ils avaient déjà vu, tu pourrais refilmer avec les cheveux finis. Tu l'as dit, hein. Oui, bah tu regarderas quand tu feras le montage. Bon, du coup, moi, j'ai mangé un... Tu regarderas ton vlog. Moi, je regarderai ton vlog, je te ferai une petite capture d'écran à ce moment-là. Bon, bah alors, je vous reprends une fois qu'on a tout... Mais une fois... avant que je parte, alors. Oui. Une fois que... Quand on sera un minimum make-upé et qu'on ressemblera pas à Shrek et Fiona. Et quoi, c'est un peu ça. Qui est Shrek, qui est Fiona. Tu peux faire Fiona, moi je fais Shrek, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Oui, c'est vrai, elle a dit tout à l'heure qu'elle était en mode Shrek, du coup elle a du verre partout maintenant. Ouais. Ça va, il est bien parti. Ça va, toi c'est une petite tachounette. Ouais. Tachounette. Allez, on vous reprend un petit peu tantôt avant qu'elle parte et puis je clôture tel vlog une fois qu'elle est partie. Que ce sera un peu plus calme parce qu'elle est très bruyante. 170 km aller, 170 km retour pour me faire insulter. Je le referai. C'est pas une insulte bruyante. Je le referai. J'aurais pu dire que c'était casse-couille. C'est tout. Mais ça, c'est vrai. Ah, donc j'ai pas le droit de dire que tu es bruyante sans que tu le prennes mal, mais j'ai le droit de dire que t'es casse-couille. Émis, quoi. Bon, allez, on vous reprend tantôt parce que là, ça va encore partir en cacahuète. On sait pas rester sérieux, c'est un truc de chien. Et je couperai pas en montage. Bam. Et voilà. Émis va repartir. Il est 15h15. Elle va repartir déjà. Ça fait longtemps que t'es là, mais j'ai l'impression que tu viens d'arriver. C'est toujours trop court et c'est chiant que cette route là. Dites-lui qu'elle déménage et qu'elle habite plus près. J'aimerais bien. Tu vois que tu l'as redit. Ah oui, j'ai dit. Là, je confirme, je l'ai dit. On tournait une vidéo pour moi et elle disait non, mais moi, dis ça. Voilà. Non, mais c'est vrai que c'est chiant, c'est à cause de la route. Hein. C'est pareil avec ma mère. Pas content. Un bébé. Pas content. Je les comprends, j'aime pas les bébés non plus. Et bah c'est tout, voilà. Donc moi je vous reprends après pour vraiment clôturer. Oh, quoique, on peut le faire ensemble aussi. Si tu veux. Allez. Tu veux pas dire des médisants sur moi quand je suis pas là? Bah non, je l'ai dit quand t'es là. Pourquoi j'attendrais que tu sois plus là? Ouais, c'est bon. Quand j'ai quelque chose à te dire, je te le dis direct. C'est vrai. Voilà. Donc voilà ce qui conclut... décidément, j'ai du mal pour finir mes vidéos aujourd'hui. Voilà ce qui conclut cette vidéo. Ce vlog. Ah, ben voilà ce qui conclut ce vlog. Ah, je crois qu'il y a mes gosses. J'arrive. Donc, je vous clôture le vlog rapidement au téléphone parce que Chérie vient de rentrer, en fait. C'était Chérie qui vient de rentrer. Voilà. Donc, je suis totalement fan de mes cheveux. Je suis triste qu'Amy soit déjà repartie, mais bon. Je sais qu'il y a la route et tout ça.
Donc, je te remercie encore, ma petite bichette, d'être descendue jusqu'ici. On a passé vraiment une super journée. J'adore passer du moment avec elles deux, de toute façon, quand Manon est là aussi et tout. Donc, voilà. C'est vraiment agréable. C'est toujours trop court, malheureusement. Mais on essaie de se voir un peu plus souvent. Ça compense un peu. Et voilà. Mais ça m'a touché qu'elle descende et qu'elle pense à venir me voir parce qu'elle était toute seule. Voilà, bref. Donc là, ce qui clôture ce vlog, je sais plus où ce qu'on en était, où ce qu'on a coupé. En fait, je suis totalement fan de mes cheveux. Alors, totalement fan. Je vais vous montrer à la lumière, enfin, au salon, à la fenêtre du salon. Elle gère du pâté. Hein. Attendez, ah, attendez, si je vous prends comme ça, il n'y a plus rien. J'adore. Voilà, je suis complètement fan. Je vais m'admirer très longtemps, je pense. Voilà. Donc, n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air, de vous abonner, si c'est pas fait, et tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et en attendant, moi je vous dis bisous bisous.